Les avocats du prince Harry ont affirmé que le prince de Galles avait réglé une plainte pour piratage téléphonique contre News Group Newspapers pour une « très grosse somme ». Les avocats du prince Harry ont affirmé que le prince William avait conclu un accord pour régler secrètement un différend concernant des allégations historiques de piratage téléphonique, ont révélé des documents de la haute cour. Les documents allèguent que le prince de Galles a reçu une très grosse somme de News Group Newspapers, éditeur du Sun et du désormais disparu News of the World, dans le cadre d'un accord secret entre Buckingham Palace et le groupe en 2020. Les révélations sont apparues dans des documents juridiques soumis par son frère dans le cadre de sa propre bataille juridique avec l'éditeur, qui est revenu mardi devant la haute cour pour une audience de 3 jours. Harry poursuit les éditeurs, aux côtés de l'acteur Hugh Grant, pour une prétendue collecte d'informations illégales à ses titres. Son avocat, David Sherborne, a déclaré au tribunal que ses tentatives de demander des excuses à la société de Rupert Murdoch pour piratage téléphonique avaient été menées avec l'approbation de sa grand-mère, feu la reine Elisabeth II. Les détails du règlement de William ont été publiés dans des documents juridiques soumis par son frère. Harry affirme qu'à un moment donné avant 2012, un accord secret a été conclu entre les cadres supérieurs et la famille royale de l'entreprise de Murdoch. Monsieur Sherborne a déclaré dans des arguments écrits que l'accord signifiait que le demandeur ne pouvait pas porter plainte contre NGN pour piratage téléphonique à ce moment-là.